Hello les gens, c'est Lozoloy, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un tutoriel. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, mais aujourd'hui je suis de retour et on se retrouve pour le tutoriel miniature V2. J'en ai déjà fait un du coup, hein, qui était très très bien, mais maintenant j'ai beaucoup plus de niveau et donc forcément je vous apprendrai bien mieux à faire quelque chose de meilleur. Voilà. Donc trêve de blablater et on se retrouve tout de suite sur Cinema 4D en premier pour faire le tutoriel. Et voilà, on se retrouve donc sans plus tarder sur l'espace de travail Cinema 4D. Donc je vous ai préparé quelques rigs et une Lightroom, enfin un rig et une Lightroom qui sont gratuits, donc on va utiliser là-dessus, hein. Bien sûr je peux pas me permettre de mettre des trucs payants là-dessus. Donc tout d'abord on a le HRB qui va nous servir de rig, donc on va le garder de côté, mais d'abord il faut l'ouvrir. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais il faut juste être patient, vous inquiétez pas, ça va venir. Attention, voilà, donc là on coche là-dessus et on l'a ici. Ensuite on va faire fichier, ouvrir, et on va aller prendre donc la Lightroom que je vous ai concoctée, qui se trouve ici. Donc on ouvre le lib4d, donc on prend juste Minecraft Lightroom, voilà, ça va la charger, et puis on peut réouvrir ça et glisser notre rig là-dedans. Vous pouvez aussi juste ouvrir la Lightroom avant et puis comme ça vous fermez tout après. Donc là on obtient notre rig et on a notre Lightroom derrière. Ensuite on va déjà aller préparer les paramètres de rendu, comme ça on sera bien bien prêt. Donc on va aller là-dessus, donc dans éditer les réglages de rendu, hop. Largeur, on va mettre 1920 par 1080. Ensuite, dans enregistrer, au lieu de format TIFF, vous allez prendre PNG, voilà, c'est important, et vous allez cocher le canal alpha, histoire que ce soit bon. Après, chemin d'accès, ça, c'est vous qui voyez où vous voulez le mettre le rendu. Ensuite, du coup, maintenant que nous sommes sur notre HRB FMR, nous allons bien sûr charger un skin. Donc pour charger un skin, on vient cocher ici à droite, hop, et puis ici on a l'onglet skin, donc on clique sur skin, ce qui va nous ouvrir ça. On va aller chercher donc notre skin qu'on utilise nous tout le temps pour les tutoriels, donc qui se trouve juste ici. Voilà. Donc évidemment j'ai déjà fait un tuto extrude pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je vous invite à aller le voir. En tout cas je vais pas faire les extrudes dans cette vidéo puisque ça prend quand même pas mal de temps, donc je vais juste faire une petite ellipse pendant que je fais les extrudes et puis je vous retrouve une fois que tout ça est terminé. Et moi je vous laisse là juste devant l'écran un petit lien pour aller voir le tuto extrude, comme ça vous pouvez le faire vous-même de votre côté. Du coup je vous retrouve tout à l'heure juste une fois que j'aurai fait les extrudes. Et donc me revoici une fois les extrudes terminées. On peut bien remarquer ça, voilà, j'ai mis une petite caméra juste pour garder la position d'avant. Et donc nous avons un petit peu tout ça. Donc le HRB Rig propose déjà une petite cape derrière, donc écoutez, pourquoi pas garder une cape comme ça. Après si vous voulez la changer, c'est très simple, vous allez dans HRB FMR 5.0 option scape, hop, et vous, si vous avez un texture, enfin un cap pack, ça s'appelle comme ça, et bien vous pouvez tout simplement le mettre, hop. Donc moi celui là va pas marcher parce que c'est pas un bon cap pack, c'est pour un autre truc de cap, mais enfin bref, si vous avez un pack de cap, bah, utilisez le là dessus et ça devrait marcher. Donc maintenant qu'on a tout ça, on va s'occuper un petit peu de trouver une position sympathique, puisque bon, sans position on va pas aller bien bien loin. Donc du coup déjà on va commencer par les pieds, c'est ce qui me paraît être le plus important au début, tout simplement puisque ça va nous permettre quand même de, comment dire, de faire notre pose un petit peu, hein, parce que un petit peu de savoir comment on va se diriger là dedans. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je mets ça comme ça et puis qu'après on va faire un petit peu un effet comme si ça, voilà, si on tapait un petit peu le sol. Donc pourquoi pas, on pourrait faire quelque chose un petit peu comme ça. On utilise du coup ça, voilà. Donc ça c'est avec l'outil rotate qu'on trouve ici, hein, je tiens à le préciser. Voilà, alors
pourquoi pas garder un truc comme ça. Ensuite, on va reculer notre personnage. Hop, voilà. Donc on va un petit peu le tourner ici. Celle-ci de jambe, on peut peut-être la reculer un petit peu. Voilà, ok. Maintenant qu'on a ça, on va un petit peu incliner notre personnage, comme ceci, voilà, pourquoi pas. On fait une pose assez basique, hein, mais bon, c'est toujours ça de fait. La jambe, on va un petit peu bouger. Hop, voilà, remettre en état de fonctionnement. Et celle-ci aussi. Alors là, on a un truc bizarre, mais attendez, ça va auto-changer. Non, attendez. Hop. On va remettre un petit peu plus bas. Voilà. Et voilà, comme ça. On va re-incliner ça, forcément. Ok, bon, maintenant qu'on a ça, on va un petit peu bouger les bras. Donc les bras, on peut les mettre comme ceci. Et l'autre aussi, on va le mettre un petit peu pareillement. Hop là, voilà, comme ça. On va faire quelque chose d'assez simple. Donc, voilà. C'est pas trop trop compliqué. Ici, on a donc la bouche. Donc si on veut faire une petite bouche sympa, on peut faire ça par exemple. Et on peut incliner aussi, que je me trompe pas, tout ce qui est bouche. Hop. Voilà. Enfin, tout ce qui bouge, pardon, tout ce qui est œil, exactement. Alors ça, c'est un peu dur à aller chercher. Enfin bref, si on en a envie, moi je pense qu'on peut s'en passer pour des débuts. Ici, c'est pour incliner les yeux par ailleurs. Donc vous avez juste à cliquer et voilà. Donc on peut faire ça comme ça. Voilà, parfait. Hop, on se place comme ça. Ensuite, la cape. Donc vous allez prendre le petit côté un petit peu violet. Et puis là, il y aura un point qui va apparaître. Et on fait ça comme ceci. Voilà, rien de plus compliqué. C'est déjà fait. Hop. Voilà, parfait. On peut peut-être placer notre truc de ce côté. Voilà, comme ça, il nous regarde, notre cher personnage. Ensuite, maintenant qu'on a ça, nous allons cliquer sur la petite caméra que vous voyez juste ici. On va aller donc dans Objet, si c'est pas déjà coché. Et au lieu de classique, on va mettre super grand angle. On va baisser peut-être un petit peu à 90 dans angle de champ horizontal. Et ensuite, on va remonter en haut. Et là, on voit un petit point noir. Hop, on appuie, ça nous met le FOV tranquillement. Donc comme ça, on a notre FOV, c'est sympa. Ensuite, parce que c'est pas fini forcément, il nous faut un texte. Donc pour le texte, rien de plus compliqué. On va dans MoGraph, on appuie une fois, on descend, on clique sur mot texte. Voilà. Donc là, ça nous propose de changer le texte. Donc il faut charger un petit peu, ça prendra le temps que ça prend selon votre PC, selon... les paramètres un petit peu de texte, donc il faut attendre un petit peu de temps. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, mon texte est apparu juste ici. Donc pour le nom de la miniature, on va mettre tutoriel. Donc on va marquer tout en majuscule, tutoriel. Voilà, comme ceci. Donc on va venir ramener notre texte à l'aide de la flèche bleue ici. Hop, et on le diminue à l'aide de l'outil, donc pour diminuer, qui est celui-là, hein, vous avez juste à gérer comme ceci, et ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la police d'abord. Donc on reclique sur mot texte, et là, il y a marqué police, et vous l'avez ici. Donc là, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de police, donc il va falloir attendre un sacré bout de temps, donc je vous retrouve dès que c'est fini. Et voilà, ça s'est chargé, donc ça se verra, hein, parce qu'il y aura tout ça qui va s'ouvrir. Donc moi j'avais pensé pourquoi pas partir peut-être sur Minecraftia, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ça pourrait bien coller, donc elle se trouve. J'ai 5000 polices environ, hein, donc c'est pour ça j'en ai beaucoup. Ah voilà, elle s'appelle Minecraft, comme ça. Elle est juste ici, donc c'est une police que
Personnellement, j'apprécie pas mal. Donc on va placer ça comme ça. Hop. On va donc maintenant cliquer ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, ça va. Donc tout dissout. Donc on peut prendre les lettres séparément. Mais on va encore tout sélectionner. Et puis là, on va prendre donc la flèche bleue. Enfin la flèche bleue. Non, pas la flèche bleue. Mais avec l'outil grandeur, on va aller sur le côté bleu. Et on va rajouter de la profondeur. Ce qui va donner un effet bah, justement de profondeur. Donc ensuite, on va ramener ça ici. On va un petit peu bouger les lettres à notre guise. Donc moi, je pense faire ça un petit peu comme ceci. Voilà. Donc celle-ci, on va l'avancer un petit peu parce qu'elle m'a l'air un petit peu bloquée au loin. Voilà. Hop. Donc on les bouge un petit peu tranquillement. C'est pas bien difficile. Celle-ci, on va la rapprocher un petit peu. Celle-ci aussi. Voilà. Et voilà. Super. Donc là, on a notre truc tutoriel. Ensuite, on va aller en bas, juste ici, et on va double-cliquer. Pardon, double-cliquer. Ce qui va nous permettre de créer une nouvelle texture. Et on va se rendre juste ici pour prendre donc du rouge à petit peu près comme ça. Donc peut-être un petit peu plus clair notre rouge, je pense. Voilà. Hop, et on va le mettre par exemple sur une lettre sur deux, comme ça. On aura ceci. Ensuite, on va venir rajouter une petite épée. Donc pour ça, on va aller sur Fichier, Ouvrir, et on va ouvrir un rig d'épée. Donc moi j'en ai un juste ici, voilà, c'est une Iron Sword, rien de plus complexe. Et puis on va la mettre juste ici. Oups, un peu plus grande, pourquoi pas. Hop là, voilà. Et on va bouger un petit peu le bras en sorte que on dirait qu'il tient l'épée. Donc voilà, maintenant on va encore faire la même chose que quand on extrude le corps. On va extruder juste un petit bout de l'épée quand même. Pourquoi? Parce qu'elle sera plus sympa à regarder tout simplement quand elle sera un petit peu extrudée comme ça. Donc là, on obtient notre rendu Cinema 4D qui est terminé. Donc on va faire rendu juste ici. Si on a sélectionné bien sûr un chemin d'un c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc on va appeler ça rendu tutoriel. N1, voilà, comme ça, numéro 1, vous m'avez compris. On peut fermer ça et on va cliquer donc sur rendu. Voilà, donc là, ça va vous démarrer le rendu. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps selon les PC, hein, donc moi, bon, j'ai pas un PC de fou fou fou, donc ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, c'est déjà bien avancé. Hop, on attend encore un tout petit peu de temps. Et ça devrait être fini. Voilà, ça se termine tranquille. Et on est bon. Voilà. Donc maintenant, vous allez retrouver votre rendu donc sur le bureau, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autres endroits. Enfin, moi, je l'ai rangé sur mon bureau, bien sûr. Vous allez le retrouver là où vous l'avez rangé. Mais moi, personnellement, je l'ai rangé sur le bureau. Du coup, il sera sur mon bureau. Du coup, on va passer tout de suite sur Photoshop. Voilà. Et donc, bah, je vous retrouve une fois qu'on sera sur Photoshop bah, pour refaire la partie Photoshop, tout simplement. À tout de suite. Et voilà, nous sommes donc sur Photoshop. Donc, ma version personnelle, c'est le CC 2015. Hein, donc, c'est une très très bonne version, je trouve. Et donc, on va faire tout de suite, sans plus tarder, Fichier, Nouveau. Et donc vous allez choisir la résolution 1280 par 720 pixels dans les deux. C'est très très important, sinon ça va pas marcher. Donc maintenant on clique sur OK. Voilà. Et donc ça va vous ouvrir un espace de travail comme celui-ci. Maintenant on va aussi faire Fichier Ouvrir. Et on va ouvrir donc Rendu Tutoriel N1. Et on va faire Ouvrir. Voilà. Il se trouve donc juste ici. Bien sûr, si vous ne l'avez pas appelé rendu tutoriel N1, vous ouvrez le fichier donc, du nom que vous avez donné à ce dernier. Donc, on va bien placer ça en plein milieu. Et je précise d'ailleurs que pour agrandir sans trop déformer l'image comme ça, par exemple, il faut juste garder Shift appuyé. Donc, c'est la touche Maj hein, pour les Français.
et agrandir par là, donc comme ça, ça vous déforme pas l'image. Ensuite, on va recliquer ici, appliquer la transformation et on est bon. Maintenant, on va faire fichier, ouvrir. Et vous allez ouvrir donc quelque chose que je vais vous passer gentiment en description, qui est donc le Allegiant Pack Render Workspace. Voilà, on le retrouve juste ici. Donc ça, on va le cacher. Et on retrouve plein de trucs juste ici. On retrouve Testing Screenshots Day and Night juste ici. Si vous avez envie, vous pouvez utiliser ces screenshots-là. Personnellement, je ne vais pas en faire usage. On va juste se servir de ce qu'il nous propose dans Utilities, qui sont les Color Corrections, chose très pratique. Donc on va juste... Alors ça, c'est pas facile à faire. En fait, vous allez cliquer juste sur le fichier Color Correction avec l'œil coché. Là, vous prenez l'outil déplacement avec option de trans coché. Et là, vous déplacez, vous allez dans sans titre et hop, vous glissez. Et donc, vous le retrouvez juste ici. Maintenant, on va faire fichier ouvrir et ouvrir donc des screenshots de Minecraft que vous avez. Donc moi, j'en ai pas mal. On va utiliser par exemple, je sais pas moi, un peu, on pourrait utiliser... celui-ci. On va utiliser celui-ci pour notre tutoriel. Alors maintenant, si ça vous fait comme moi, donc vous avez arrière-plan avec un cadenas, donc vous pouvez pas le déplacer, vous juste double-cliquez sur cadenas, nouveau calque, et voilà. Vous allez le déplacer ici. Hop, on diminue un petit peu, toujours en gardant shift appuyé pour pas déformer l'image. Et voilà. Non, pardon. Hop. Voilà, on est bon. Ensuite, on va le glisser derrière, donc dans l'espace de calque, pour avoir notre truc tutoriel qui va se trouver juste ici. Maintenant, on a un background plus donc ça. Alors, pour le background, tout d'abord, c'est la première chose qu'on va un petit peu travailler. Je pense que c'est quelque chose quand même d'important. On va déjà faire filtre, flou gaussien, et on va choisir donc une résolution. Moi, je vais peut-être prendre environ dans les 3,4 par exemple. Voilà, vous pouvez l'utiliser aussi, mais 3,4, 3, 4, tout ça, c'est dans ces eaux-là à peu près, hein, donc vous m'avez compris. Donc ça nous permet d'avoir un petit flou derrière, toujours sympathique à avoir. Ensuite, on va faire un nouveau calque à l'aide de ce petit bouton. Voilà, et on va prendre l'outil pinceau, donc on va régler environ, je sais pas, à 300 disons. Hop. Et on va prendre la couleur blanche si elle n'est pas déjà sélectionnée. On va passer du blanc sur le ciel. On va tout simplement cliquer sur incrustation. Et on peut le baisser comme on veut pour rendre le ciel un peu plus clair ou pas. C'est comme on veut. On peut aussi changer l'incrustation en mettant de la lumière tamisée. Etc. Plein d'options s'offrent à nous. Hein, je tiens quand même à le préciser. C'est toujours utile à savoir. Donc moi, je pense le laisser en incrustation. Parce que c'est sympa. Voilà. Ensuite, on va venir faire un nouveau truc. On prend une couleur cette fois-ci pour adapter un petit peu à notre fond. Donc moi, je vais prendre un petit peu du orange jaune comme ça. Et on va venir recouvrir un petit peu les côtés comme ça magnifiquement. Et on vient faire filtre flou gaussien. Donc cette fois-ci, on prend un gros flou gaussien 120 environ de rayon. Voilà, comme ça. Et on va le mettre en incrustation, ce qui va nous permettre de rendre les pierres un petit peu plus lumineuses. Voilà, c'est toujours sympathique aussi à avoir. Maintenant, on va travailler donc notre calque. On va tout d'abord commencer par faire CTRL-J en étant dessus et faire clic droit, option de fusion. Voilà. Vous allez donc maintenant obtenir une fenêtre comme celle-ci. Vous allez aller d'abord cocher lueur interne, voilà. Donc pour l'instant, ça vous donne quelque chose de comme ça, c'est pas du tout beau, je vous l'accorde. Et maintenant, vous allez mettre lumière vive en mode de fusion, du coup. Une opacité environ à 80, je pense, ça pourrait être bien. Une taille un peu plus importante selon ce que vous voulez faire. Et le maigri, surtout pas, parce que là, on n'en a pas vraiment besoin. C'est pour forcer la lumière, c'est pour forcer la lueur interne, en fait, le maigri, dans des endroits genre noir et tout ça, mais là on n'en a pas vraiment besoin.
Ensuite, on va aussi cocher incrustation en dégradé. Donc pour l'instant, ça vous donne quelque chose de comme ça. Certes, c'est pas très beau, mais au lieu de normal, vous allez mettre incrustation, ce qui va rendre un petit peu le personnage plus coloré. Et vous faites OK, voilà. Donc vous avez une image un petit peu plus colorée donc, de votre personnage, et c'est toujours très très sympa à avoir. Ce qu'on peut donc maintenant faire, c'est faire clic droit, pixeliser le style de calque. Et la raison pour laquelle nous avons fait ça dans un autre calque, c'est juste que si vous voulez delete un petit peu quelques couleurs, genre bon, moi j'en ai pas vraiment besoin, mais si jamais le besoin s'en faisait, par exemple on peut enlever un petit peu ici, un petit peu là, hop, peut-être pas la tête, non c'était bien, voilà, comme ça. Et du coup ça vous permet un petit peu de changer les couleurs comme bon vous semble, par exemple les chaussures si on n'a pas trop envie, voilà. Donc là on va faire clic sur celui-là, plus clic avec CTRL appuyé sur l'autre. Voilà, comme ça, ça sélectionne les deux. Ensuite, on fait un clic droit et fusionner les calques. Voilà, donc comme ça, on fusionne les deux. Maintenant que vous avez ça, on va créer un nouveau calque, prendre la couleur donc de votre texte. Hein, moi, c'est le rouge du coup. Et on va l'appliquer avec une plus petite épaisseur de pinceau à notre texte, enfin uniquement à aux lettres rouges de notre texte hein, bien sûr. Heureux, petit problème technique, donc je disais, on va appliquer ça donc à un flou gaussien, enfin on va impliquer un flou gaussien là-dessus, donc on met voilà à peu près à 40, ça me paraît bien là-dessus, et on le met en incrustation ou en lumière tamisée, c'est vous qui voyez. Moi je vais peut-être le mettre en lumière tamisée, ça me paraît sympa à rajouter, ça met de la couleur et en même temps ça en met pas trop. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut rajouter quelques lumières dans les yeux si on en a envie. Donc ça, c'est pas bien compliqué. On va prendre du blanc. On vient... Non, peut-être pas du blanc. On va prendre du bleu un petit peu comme ça. Et on va le mettre plus clair. Hop là, voilà. On va le prendre comme ceci. Filtre, flou, flou gaussien. Donc cette fois-ci, on va le mettre quoi. Voilà, comme ça, ça me paraît bien. Et on va faire fichier incrustation, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça me paraît bien comme ça. On va baisser un petit peu l'opacité de ça, donc en lumière crue, ça me paraît sympa. Et on peut aussi le rajouter en incrustation, voilà, pour faire un petit peu la totale, c'est toujours plus sympa que des yeux vides. Voilà, maintenant qu'on a ça, on va enfin s'attaquer au fichier color correction qu'on avait ici. Donc vous avez 5 petites color corrections qu'on retrouve juste ici. Donc à quoi ça va nous servir ces fameuses color corrections? Tout simplement ça change un petit peu les couleurs, mais c'est très très sympathique à utiliser, du coup je vous conseille fortement de l'utiliser dans tout ce que vous souhaitez faire. Donc moi tout simplement je pense que Warmth colle bien mais peut-être pas autant, donc on va baisser un petit peu son opacité, voilà, et on va rajouter Cool aussi à beaucoup moins, et voilà. Vous avez ici donc une miniature propre, mais on peut encore rajouter quelques petits détails hein, qui peuvent être sympathiques à rajouter, comme par exemple une petite couleur sur l'épée, ça peut être sympa, donc vous faites avec un pinceau que vous choisissez, flou gaussien, et vous mettez un petit peu de couleur sur votre épée, en incrustation par exemple, et voilà, donc vous choisissez peut-être comme ça, moi je vais le mettre là. Et donc voilà, vous obtenez avec ça votre miniature Minecraft. Donc c'était assez rapide à faire, mais vous obtenez quelque chose de sympathique que vous pouvez bien bien mettre sur votre chaîne. Donc moi j'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous aura aidé. Moi en tout cas ça m'aura bien bien plu de vous le faire, et puis si ça peut aider les gens, c'est tant mieux. Si cette vidéo vous a plu, du coup, je vous invite à la partager à vos amis, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de bien vous porter et je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit ou une excellente après-midi, ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien les gens. Ciao.